là tu allumes l'écran. Ah non, ça va. Ouais. Qu'est-ce que tu vérifies en premier, si tu as tous les satellites, c'est ça? En premier, oui, je vérifie s'il y a tous les satellites. Donc, et ça... Donc là, il y en a bien 13. Et c'est à partir de combien que tu peux... À partir de 11. De 11, d'accord, ok. Les moteurs se débloquent en GPS, qui est maintenant indiqué, ça c'est la vieille télécommande, mais qui est en haut. D'accord. Le mode circle en bas, et le mode ATIS que je recommande quand il y a du vent ou en mer. Ok. Donc voilà, on voit qu'il y a assez de batterie. Tant que c'est au-dessus de 14,5 volts, c'est bon. Donc là, on est à la moitié, puisqu'on a déjà fait un vol tout à l'heure. D'accord. Et donc, bien vérifier qu'on n'est pas en return home, que tous les leviers soient en haut. Ouais. Voilà, que là, on a bien la gimbal répond, on a bien le... Là, ça tape. Ouais, le tu sable. Règles la caméra par en dessous, hein, c'est ça? Ouais. Ok. On a bien le sable, voilà. Et puis donc, et comment tu sais que la caméra fonctionne ou pas là? Il y a un bouton, un voyon qui clignote. Là. Mais ça c'est l'ancienne télécommande. La nouvelle télécommande, quand on fait sur vidéo, elle doit être au milieu, preview, et quand on fait sur vidéo, on verra que ça tourne en rouge et clignote. D'accord. Et ensuite photo. Donc là c'était l'ancien système, il faut démarrer. Voilà. Et là on voit que c'est rouge. Effectivement. Voilà. Et qu'il y a le compteur. Il y a les deux qui peuvent être branchés, et les lunettes et le...
Non, juste pour faire voir, là c'est le système de largage que tu mets à la place de la... Voilà. Oui, mais ça c'est celui qui est... Ah ouais, ça c'est avant, l'ancien. Il fallait tout débrancher. D'accord, ok. Donc maintenant on a le plug, tout ça. Et tu veux voir le système de largage Non, mais de toute façon je l'ai... Sur le drone, Ah oui. Tu veux le drone ou juste le système? Peu importe, c'est le plus près là. Et là en dessous, voilà, c'est le système de largage avec aussi la petite caméra. Ok.